Dans le cours qui t'est passé, nous t'avons un type de données, par exemple, nous t'avons qui ça, type de données entières, comment elles fonctionnaient. Nous t'avons un type de données texte, qui c'est string, comment elles fonctionnaient. Dans le cours aujourd'hui, nous allons voir ensemble type de données booléen, ou bien bo, comment elles fonctionnent. Bon, type de données booléen, elles fonctionnaient pour capable interroger quelque n'importe bagaille dans un programme. Et il pas besoin de plus que 10 réponses possibles. Attendez bien, type booléen, elles fonctionnaient pour capable questionner des bagailles dans un programme. Et réponse qui possible existait deux seules. Nous capable dire c'est oui ou non. Oui, en langage programmation Python spécialement, nous traduit comme true. Il commence avec un T majuscule. Et non, c'est false. Il commence avec un F majuscule. Différence qui gagne des langages pour l'autre, c'est façon mot ça écrit. En Python, il toujours commencé avec majuscule. Information ça importe. Mais existait plusieurs opérateurs pour capable questionner. Existait plusieurs et n'a bien pour nous ensemble cours pendant cours nous. Maintenant qu'aujourd'hui a nous focus parmi tout ça qui existait yo égal qui c'est un opérateur logique qui permet de demander si on valait égal avec l'autre. Égal c'est un opérateur logique qui permettent ou demander une valeur si l'égal avec une autre valeur. Nous pouvons voir ça dans la pratique. Imaginez, vous avez fait un programme, vous avez demandé si 10 égale à 10. Comment nous faisons? Comme pour le moment, nous pouvons voir condition, nous pouvons voir variable, bon paquet de bagages, nous pouvons pas expliquer. Nous même juste fait une façon pour nous comprendre par rapport à ce que ça nous est déjà. C'est clair? Si toutefois, me dit un bagage, ou pas comprendre, ou gagne une question, quittez dans un commentaire. Nous dit pour nous capable, ouais, si yon valeur égale à l'autre, nous utilisons un opérateur qui c'est égal. C'est pas yon égal. Yon égal signifie yon l'autre bagaille, m'a bien pour m'expliquer ou puis devant. Par exemple, si m'a voulu faire imprimer, et puis m'a demander si 10 égale à 10. Comment m'a fait ça? M'a écrit 10, passe, égal, 10. Qui sont pensés, ligne code ça, à imprimer pour moi? Font y pause vidéo à, et si vous répondez correctement, nous parlons ça compte. Si m'imprimer, programme moyen qu'on a pas oublié tout ça yo c'est commentaire interprète moyen qui dans machine moyen m'a programmé a pas interpréter ça comme commande l'a ignoré l'a seulement interprété ligne ça qui c'est ligne 9 là qui c'est une commande m'utiliser une fonction print et m'ouvrir parenthèse mettre instruction là dedans et puis me fermer parenthèse donc capable là me dit si 10 égale à 10 ça c'est façon de comparer deux valeurs dans programmation. Utiliser langage Python. Là, qui ça, on pense la réponse. La réponse, moi, yon booléen. Je dis booléen, capable. Oui ou non. Oui, c'est true. Non, c'est false. Eh bien, ouais. Si me fait exécuter, la retourner true. Pour qui ça retourner true? Nous parlons pour qui ça retourner true parce que, premièrement, on fait un commentaire. Il répond oui. OK? Et oui, comment ça traduit en programmation? J'aime ce dire d'aller. C'est true. OK? True. Qui ça signifie? Ça veut dire. Ça veut dire instruction mandé le vérifier, le vérifier c'est vrai. Est-ce qu'il comprend? Parce que c'est important pour me faire remarquer ça pour nous parce que ça est important. Et bien m'a pris pour nous mandé pour vérifier si 10 égale à 10. Réponse c'est oui parce que en programmation nous dit oui c'est true, ça veut dire les instructions passées à vrai. Bon, on fait un autre programme qu'on a, on dit qu'on a nous table vérifier si on valeur différent par rapport à l'autre valeur. On peut utiliser même opérateur logique là qui c'est on dit 10 égale à 11. Là, je vous pose vidéo pour essayer de répondre. Et là, on de bonne vraie réponse. Qui ça ou pensez programme nous a imprimé? Oui ou non? Ça veut dire est-ce qu'elle a imprimé true ou bien false? Là, l'a imprimé. Non. Pour qui ça l'a imprimé non? Parce que information n'a pas validé. OK? D'accord avec moi? Non, comme on dit, on traduit ça en programmation, c'est false. Ça veut dire, instruction là, dit faux. L'aime dit instruction là faux, ça m'a dit le comparé à, c'est pas un bagage qui vrai. Ok? En exécuté, qu'on y a après premier, la imprimé, continue, imprimé true. Et deuxième là, qu'on y a la imprimé faux, qui c'est false. Ouais? Est-ce qu'on bien comprend? Bon, voilà. Mais qu'on y a là, gagne une fonction, t'es montré, une table web type, yon, si nous avons un type de données, par exemple, si nous avons une ligne, ça, nous avons n'importe quelle ligne, ça, on prend la première ligne. Je viens là, je fais un collier, et puis je viens là, j'utilise, en dans parenthèse, j'utilise
type qui c'est une fonction que vous montrez nous déjà dans le coup passé. Si vous avez demandé pour l'imprimer, qui sont pensé là pour imprimer? Je pense que vous devez composer et si faire liste pour travail pour dire qui ça l'a imprimé. Je vais l'expliquer. Tenez bien. Là, à l'intérieur parenthèse, vous avez une fonction. À l'intérieur fonction ça, ou bien sa fonction ça recevait, recevoir un opérateur logique. Il recevait une instruction. Tenez bien. Je vais pour vérifier deux valeurs. Première, ça pour l'interprète a fait, la prend 10. Pour le si 10 égale avec l'autre valeur qui m'a demandé pour le comparer. Là, par exemple, la vérifier si 10 égale à 10. Réponse n'a true. Du fait que réponse n'a true, true a trouvé l'un dedans ça. Et bien, le garder type true. Qui ça type true a été? J'aime te dire. Eh bien, type là, c'est booléen. Du fait qu'elle c'est booléen en programmation, la retourner beau. Nous parlons de réponse moyen à beau. Même s'il vrai, même s'il faut la retourner même. La petite classe moyen ou bien type donnée, c'est beau. Noël, clair. Mais qui ça? Mais qui ça m'a demandé pour le faire? Je vais montrer qui ça programme ça. Je vais copier l'in ça pour moi, pour montrer nous dans la pratique. Par exemple, 10 égale à 10, true. Eh bien là, dans place 10 égale à 10, ça m'a venu gagner ça. Ouais. Mais qui ça m'a demandé? Je me dis, prends true ça. Gardez type li pour moi. Eh bien, type true ou bien faux a. Lise boule ou bien en programmation dit beau. C'est raison ça qui fait, il retourne beau. Si je demande l'exécuter, n'a pas la retourne même bagarre. Quand on est capable de dire, et si ça a été faux, est-ce que la retourne même bagarre? On allez, on change, on dit 10 égale à 11, est-ce que la trop? Nous sommes capables de dire ça? Non, ça a faux. Ça veut dire là, la change ça pour faux. False. On va exécuter, la toujours retourne beau, qui c'est booléen. OK, en exécuter. Voilà. Bon, je pense en gros c'est ça nous ensemble aujourd'hui. Nous est qui ça un type booléen et j'aime dire là capable de valer, le capable vrai ou faux. Il pas gain l'autre possibilité qui existe. Puis devant nous pas quelques l'autre possibilité gagner, mais nous pas voulez ou anticiper. Nous voulons apprendre bagage de base de façon simple avec bon fondement et puis l'on va faire ça qui est plus complexe pour comprendre. Nous dit parmi opérateurs qui existent, il y a égal. Mais ce n'est pas seulement égal qui existe, qu'on paquet l'autre. Nous allons pour nous de façon détaillée l'un après l'autre. Ça, c'est pour aujourd'hui, nous sommes petit booléen, mais j'espère que vous comprenez et qu'on a vraiment essayé de pratiquer pour vous. Prendre plusieurs valeurs comparées entre vous-même. Et puis, ou même pour déterminer les réponses. Non pas M. Benson Augusta, M. Analyse Programme. C'est un plaisir pour partager connaissance. À la prochaine pour une autre vidéo.